Ouais, c'est ça. Ah oui, ça, là, c'est là, du coup, on se Oh, mais la DDT, c'est la direction des territoires. La DDT, c'est la direction des territoires. Si tu veux, c'est tout ce qui gère les parties agricoles, voilà, tout ce qui est aide, tout ce qui est contrôle environnementaux, tout ça, voilà, c'est tout ce qui tourne autour de l'agricole. Quoi. Comment vous les ciblez cet après-midi? Ah, ben, on les cible parce que c'est eux qui représentent l'État. Quoi, hein, quand, dès qu'il y a quelque chose, un contrôle ou autre, ça vient à 95% d'eux. Quoi. Et là, voilà, aujourd'hui c'est eux avec qui on a affaire tout le temps, c'est eux, voilà, c'est avec qui, c'est eux avec qui on travaille. Quoi. Quand on voit la masse de déchets, de fumier, de vent, je dis que vous êtes en colère contre eux. Ah, on est très en colère contre la DDT, parce que la DDT, c'est les services de l'État. C'est en fait, le bras droit du préfet dans le service agricole. Quoi. Donc, vous leur dites, c'est quoi vos revendications contre qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais les revendications, c'est arrêter de nous emmerder avec vos contrôles. C'est arrêter avec vos contraintes environnementales, c'est payer ce que vous devez, payez-nous la PAC que vous êtes en retard, arrêtez de nous voler, voilà, on a une indication, ça suffit, c'est déjà pas mal. Là, on va, c'est quoi la suite du programme? Suite du programme, et bien on va continuer à vider encore un peu, et puis voilà quoi, et on va repartir à la base, à l'autoroute, continuer à bloquer, et préparer des nouvelles actions pour demain. Celui-là, là, il a qui là? Mais avance-le s'il y a les clés, avance-le un peu s'il y a les clés.
Après, il y a ce soir, ça répond du présent dans le film. Samedi dimanche, il y a une série. Demain, il faut des réponses. Et demain, une famille de combat. Alors c'est ici nous sommes à la DDT de Lot-et-Garonne. La DDT c'est la direction départementale des territoires. C'est le service économie agricole, il y a le service environnement qui gère, applique toute la réglementation agricole et la réglementation environnementale. Ce sont les services qui sont les services administratifs de la préfecture, tout simplement du département. Et ils sont là pour faire appliquer les ordres et les directives de l'État. Mais écoutez, on les a rencontrés, on a rencontré surtout leur direction de nombreuses reprises. Ils ont été dans l'incapacité de nous répondre sur les sujets sur lesquels on les a sollicités, incapables de répondre à des chiffres concrets qu'on leur a demandés, incapables de trouver des solutions à de nombreuses reprises sur des sujets locaux. Ils n'ont pas été à la hauteur de ce que des sujets locaux, tout simplement. Ils n'ont pas pu répondre de façon pertinente aux sollicitations et aux sujets sur lesquels ils ont la main. Les sujets nationaux, apparemment, ils n'ont pas la même. Les sujets locaux, ils pouvaient faire énormément de choses pour le territoire. Ils ne le font pas, absolument pas. Ils pénalisent le territoire. Tout ce qui est agriculture, environnement, ils pénalisent la profession des agriculteurs. Donc, il est extrêmement logique d'être ici. Et au vu du nombre de personnes que l'on est ici aujourd'hui, c'est révélateur des emmerdes que fait la DDT à l'ensemble des agriculteurs du territoire. On voit derrière vous, le fumier, le foin, la paille, la truc derrière vous, ça montre quand même qu'il y a une grosse colère. Mais écoutez, on l'avait promis, hein, la colère va monter petit à petit. Hier, on était à peu près sympathique. Aujourd'hui, ça monte d'un ton. On a demandé à ce qu'il y ait des annonces sans tarder, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les circonstances graves. Donc il faut qu'on ait des réponses d'ici ce soir. Et si on ne les a pas, malheureusement, les choses vont se corser encore plus demain. Demain, ça va monter dans le front, on va y aller. Ah oui. Écoutez, pour l'instant, rien n'est déterminé, même si on a bien notre idée. Et vous verrez bien demain, mais effectivement, hein, un jour, une étape de plus. Quoi. Ils sont escortés par la police. Parce qu'en fait, tu as une escorte de la police pour t'amener sur les endroits où... ils n'ont pas l'intention de... Ils n'ont pas l'intention de voilà, d'arrêter. Hein. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une satisfaction des revendications... Oui.
des choses à... C'est incroyable cette histoire. Thank you.
avions qui sont en arrivée, enfin des retards. Thank you.
famille. Et faites demi-tour, on se barre par l'autoroute. Faites demi-tour. Ah mais, on est là, on ne sait toujours rien. On a demandé des réponses fortes pour ce soir. Et on n'a rien. Je crois, mais je ne suis pas sûr, que le Premier ministre a parlé, ou le ministre de l'Agriculture a parlé, et qui disait qu'il ne céderait pas à la colère des agriculteurs. Donc, monsieur le ministre, il va falloir que vous nous écoutiez. On est prêt à tout. On ne crèvera pas la bouche ouverte, monsieur le ministre. C'est-à-dire quoi, prêt à tout? On est prêt à tout. Là, on est revenu à la préfecture, on était là ce matin, on y revient ce soir. Demain, c'est les grilles qui tombent dans la préfecture. Demain, et envoyez tous les CRS à Agen, on tombe les grilles dans la préfecture demain. Parce que si on ne nous écoute pas, si après notre collègue qui s'est fait écraser et qui est décédé en défendant la cause, on ne nous écoute pas, eh bien il faut tout arrêter dans ce pays. Donc demain, si on n'est pas écouté ce soir, ce soir on n'a pas des réponses fortes, demain on vient, on tombe les grilles dans la préfecture, toutes d'un bout à l'autre. Donc il faut rappeler quelques points sur les revendications. Il y a des gens qui nous regardent qui se disent c'est quoi vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez très clairement en plusieurs points? On demande à pouvoir vivre de notre métier, du revenu. On travaille 70 heures par semaine et on est à 600, 700, 800 euros par mois. Hein. Ce n'est pas possible, on a des familles, on vit comme tout le monde. On demande du revenu, de la dignité, et du respect, voilà, on travaille. C'est tout ce qu'on demande, on ne demande rien de plus. Mais il faut qu'on nous laisse travailler dans ce pays. Vous laissez travailler, c'est ça le mot d'ordre. Nous laisser travailler. Et gagner sa vie. Et après à tout, c'est-à-dire que ça va franchir des caps, heure après heure, là, c'est en train de monter, la pression est en train de monter. Voilà, vous voyez, on est venu ce matin, on a été gentil, on a vidé un tout petit peu. Ce soir, regardez, ça part d'un bout des grilles à l'autre bout. Demain matin, on tombe les grilles. Si on n'a pas de réponse, on tombe les grilles demain matin. Là, vous avez encore plein de camions chargés partout. Plein, on a des tracteurs qui repartent chargés dans leur ferme. Et on a du monde qui nous soutient. Tout le monde, on va reprendre, tout le monde repart chargé. Demain, c'est pas ici qu'on va venir. On va bloquer tout Agen, on va bloquer toutes les autoroutes, on va bloquer toutes les routes, tous les ponts du département. Et on va tomber ces grilles après. Et l'autoroute va continuer d'être bloquée ce soir. Continue d'être bloquée ce soir, demain, après-demain. Tous nos collègues sont en train de se mettre en place partout et se sont mis en place. Voilà, là, c'est stop maintenant. Il y a blocage à Agen, à Perpignan. Donc, je ne sais pas, Perpignan, Limoges, Périgueux, Bergerac, Toulouse. Ça bloque partout, quoi.